Parfait, on est en live, c'est trop bien. Oh, des gens qui parlent ce matin. C'est trop bien. Allez, on y va. Wouhou! Et cette fois, eh ben, on va trop gagner parce que c'est trop trop bien. Ouais, t'as trop raison, Jill. La justice va tourner. Ma dernière échappatoire. C'est vrai, et après elle va devenir blonde et ça sera trop nul. Coucou Millie! Il y a plein de zombies. Ça doit trop faire mal de se faire morte comme ça. Parce que je suis un peu fatigué aussi. C'est pour ça, mais de toute façon, je peux pas prendre le soleil parce que après, je suis toute rouge. C'est trop nul. J'ai une peau trop fragile. En plus, si je prends le soleil, bah, je peux pas faire de stream le dimanche matin. Ouais, je suis toujours en vie. Contrairement à la dernière fois que j'ai joué, c'était trop nul. En plus, c'était pas bien parce que je voulais faire plaisir à ma petite sœur. Et voilà, c'est trop nul. I'd rather starve to death in here than be
one of those undead monsters! Now leave me alone! C'est. C'était une bonne idée quand même à l'époque d'essayer de marier du craft en milieu de Resident Evil. Parce que c'est des jeux trop bien et ils ont essayé d'améliorer le gameplay et Resident Evil 3, et ben il était déjà au top de ce qu'ils pouvaient faire. Parce que dans Resident Evil 3, et ben vous pouvez trop bien vous retourner quoi. Vous allez voir, regardez, il suffit d'appuyer sur deux boutons et hop, c'est derrière. Et ça c'est trop bien. Ouais, j'ai peur des zombies. Ah, comment je te comprends trop, Kazuo. Les zombies, bah, ils essaient de te manger et tout, c'est trop nul. Ta 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 ta. Ah! Ah! Tu me laisses ma botte tranquille. Non, les zombies ils font des câlins. C'est trop pas vrai quoi.
Pourquoi tu dis des bêtises, Kaz? C'est même pas vrai, quoi. C'est même pas vrai parce que les balles elles sortent trop de son bras quoi. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Il fait déjà tellement chaud, quoi.
Après, on va encore te dire que j'aime pas les chiens. Alors que j'aime bien les chiens. Ça meurt bien. Tu connais bien le début au moins. Ah ouais. Faut dire qu'on est mort la dernière fois, c'était trop triste. Surtout que j'avais trop pas sauvegardé quoi. C'est trop rigolo. Je me demande si ça sera le même code, c'était 0411 il y a deux jours. Et je sais qu'il y a des codes variables dans ce jeu. Il n'y avait pas de sens où Marvin, ça veut dire qu'il est pas mort. Elle connaît trop pas les mécaniques du jeu, Jean. Franchement, elle est trop nulle, quoi. C'est pas ça. Je sais plus c'est quoi. On va aller chercher Legit.
C'est pas des zombies la dernière fois? J'ai pas peur, j'ai trop pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, les zombies c'est mes amis, ils veulent pas me tuer du tout. J'ai pas peur, les zombies c'est mes amis. Ils veulent pas me tuer aussi. J'ai trop pas peur. Tu vois où il reste un zombie par terre? Quatre, trois, un, deux. Quatre, trois, un, deux. Mieux que sur le plan. Il y avait un zombie. Ils veulent tous me manger. C'est trop bien les États-Unis parce que déjà ils ont des armes partout et en plus ils ont de la poudre à canon dans leur placard. Franchement c'est trop un beau pays quoi. Je pense que si tu mettais le feu dans ce pays, bah tout exploserait dans un million d'étincelles. Ce serait trop bien.
Monsieur, il voulait mourir. Carlos, il est dans la caca. Le monsieur, il devrait prendre des pilules pour la gorge, hein, parce que il doit trop avoir mal. Hein. Je savais pas que c'était possible ça. Je croyais que tous les zombies disparaissaient quand il y avait. Ça a failli mal se passer. Pardon, excusez-moi, je suis malade. C'est trop devenu un zombie maintenant. C'est trop triste.
Désolé. Un super gros espadon sur le mur. Moi, ça me semble super bizarre.
What's that? Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill. Travaille pour les mercenaires d'Umbrella. Did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Wait, how did he find me? Fire! This way. Wait, I have to ask you something. I know. You want to ask me out? All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy. What? Keep dreaming. Il a dit que toutes les filles elles étaient amoureuses de lui parce qu'il avait un drôle d'accent. Don't lie to me. Umbrella is the reason why this whole mess began. Look, we're just mercenaries, hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? If you want answers, you should talk to someone else. I am not with Umbrella. We'll have to finish this later. Believe it or not, we're only here to rescue the civilians. If you can trust me, then help us. Think about it. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Parle d'événements aléatoires. Ah mais il va me suivre à l'intérieur là.
Oh, ça a pas l'air. C'est quoi ce bordel? Je croyais qu'on pouvait sauter par la fenêtre. C'est moi, il m'aime pas beaucoup, notre ami Némésis. Peut-être qu'il m'aime un peu trop. Que je vais trop vite et le jeu essaie de me le faire payer. Merci Midi. J'ai plus d'armes. J'avais perdu la télécommande de la télévision. Oh. Survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS.
Stark. You made the RPD special force team. Hey, is someone wounded back there? Oh, this looks bad. They're coming. Get ready. Fire. Fire! Stay together! Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. No. Don't come any closer. Stay away. So, Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Jill, put this on. Toute nue. Ah, t'as qu'à mourir, je m'en fous.
Sont tous méchants. Le restaurant est totalement non obligatoire. Bonjour Mia! Comment tu vas? J'espère que tu vas trop bien ce dimanche matin. Ça fait trop plaisir de te voir. Chaton! Eh ben c'est trop gentil. Merci de venir, Mia-chan. Merci Mia. Je vais rougir si vous continuez. Millie, elle est trop belle. Moi, je suis trop moche à comparer. C'est la plus belle.
Ah, ce Resident Evil 3, il était sur PlayStation 1. Il est sorti bien après le 2, en fin de vie de la console. C'est Bakaev qui m'a tout dit. Bakaev, il a dit, si tu veux jouer à un jeu, il faut au moins que tu saches quand il est sorti et sur quelle console. Moi, j'étais même pas né à l'époque. C'est trop vieux.